Nous voilà donc pour le 44e épisode des Chroniques de Groningue. Alors, nous sommes ici donc en train de nous préparer à attaquer Antigua. Et nous avons suffisamment d'argent pour pouvoir améliorer encore les... Les constructions ici. Alors, par exemple, le port ici, je ne sais plus si on peut recruter un navire amiral 5e rang. Oui, je vais en prendre un. Parce que comme ça, j'aurai un amiral de la mer des Caraïbes, enfin aux Amériques, qui va commander une grande flotte des prises de guerre et tout ça, des petits briques. Et je l'utiliserai, je vais l'utiliser pour aller attaquer aux Amériques, enfin aux États-Unis, hein, la flotte avant qu'elle ne parte, sauf bon bah sauf si bah, elle est déjà partie peut-être. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais besoin d'une flotte ici, je pense, dans la partie nord. Donc j'utiliserai la flotte qui se trouve ici. Bon, elle est exclusivement composée de navires, des briques pris à l'ennemi, hein, et d'avisos. Ce ne sera pas une énorme flotte, mais je vais y mettre un vaisseau amiral quand même. Dedans, voilà. On l'aura dans 1 an. Bon. Alors, sinon, est-ce que je continue à enrichir les provinces? Bah, je continue les capitoles, s'il y en a encore à faire. Ouais, là, il est en train. On dirait que c'est tout est fait. Là, c'est un capitole. Ah bah non, ici. À Cuba, c'est sûr que c'est pas fait. Voilà. Ta chambre législative, voilà. Et infrastructure, tiens, Cuba, on va mettre des routes pavées parce que l'île est grande, donc autant pouvoir se déplacer le plus vite possible. Et puis sur notre capitale Caracas, ça va. Bon, on est en paix, hein, avec les Espagnols. Bon, bah, je crois que c'est tout. On a fait le tour pour les Amériques. Et c'est. On va faire quand même. Regardez vite fait l'Europe. Alors, Groningue. Hein. Le Varden. Donc, pour améliorer Groningue, il me faut l'élevage sélectif. Alors, on va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous cherchons? Ça, c'est super. Ça, wow, c'est quoi? Cette recherche-là, c'est ça. Mitraille, hein. En 4 tours, ouais. Ça, c'est bientôt fini. D'accord. Ça, c'est important. Donc elle recherche quoi? Le fuseau navette volante. Ok, c'est pas mal. Ok, donc ce sera ça. On fera faire par au prochain tour. Dès que Salamanque a fini, Salamanque s'occupera de l'élevage sélectif. Voilà. Ok. Bien. Alors. Donc là, il y a 2 Espagnols, hein, qui sont rentrés. À Utrecht. Allez, on va améliorer un peu toutes les fermes. Je sais pas si terre agricole. Voilà, 1300, on peut plus rien faire après. Ah,
quelque chose qui est sa spécialité. Alors, ensuite. Alors, bon. L'espion. Ernst Wendels va essayer d'assassiner le prêtre. Il n'y est pas parvenu. Hop. Ok. Ça, c'est la marine autrichienne. C'est pas une marine marchande, ça. Hein. À part ça. À part un seul. Non, deux navires. Il y a deux navires marchands, c'est tout. Sinon, le reste, je sais pas. Bon. Ok. Eh bien, on va voir Alizane maintenant. Donc, ici, on a repoussé une attaque. Alors là, c'est exceptionnel. Enfin, c'est inespéré. Alors, on va se diriger vers Goa, hein. La ville refuse de se rendre. Bon, je la fais pas la bataille, hein. Il n'y a pas de fortification. Mais malheureusement, je pense qu'on va perdre beaucoup d'hommes encore, hein. Allez, je fais la bataille en auto-résolution. C'est une victoire. On a perdu 77 hommes. Et est-ce qu'il y a eu des régiments qui se sont illustrés? Oui. Cavalerie de la Vogue, il y en a eu un. Apparemment, il n'y en a eu qu'un. On n'a rien perdu. Ok. Ok, voilà, on a pris Goa. Et là, on continue à faire le blocus. Bon, Goa est pris. Voilà. On en commence à entamer l'Empire Marat. Alors ici, on va faire le siège de Hyderabad. Là, il y a des fortifications. Je ne sais pas si ça vaut le coup de. Bon, on va faire le même l'auto-résolution aussi, alors. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a très peu de résistants. Victoire. 46 soldats perdus. Une infanterie d'île a gagné un chevron. C'est celle à qui il reste 188 hommes. Celle-ci. C'est-à-dire le régiment d'Angoumois. On vient prendre Hyderabad. Ce sont des provinces très riches, hein. Et Gisbert Cruys est devenu maître d'exercice. Plus 5% de portée de déplacement de campagne, c'est bien. Aux unités d'infanterie. Et plus 2 pour commander, voilà. Ce général a une excellente conception de l'infanterie. De l'utilisation de l'infanterie pour le plus bel effet. Ah! Voilà, vertueuse guerre en dentelle. Alors. Eh bien, nous allons réparer. Si nous avons assez, nous avons pas, nous n'avons pas assez. Non. Ça attendra le tour d'après. Alors, la ville, est-ce que la région a des écoles religieuses? Non. Mais elle a des ressources énormes, hein, de agriculture.
Plantation de thé aussi, bien. Et une école supérieure, une de plus. Donc, on peut lui donner à chercher quelque chose. Curnol va rechercher. Ah, elle ne peut pas chercher, apparemment. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Ah! Ok, ils ont mis une armée dedans. Ce sont des petits malins. Bon, là, on va lever. On va recruter quand même une milice. D'accord, l'université, enfin l'école est occupée. Bien. Bon, ben voilà pour les attaques, notre invasion. Oui, ce qui nous donne sur l'Inde, donc je dis ça. Ce qui nous donne, bon, comme on est la même couleur, ça se voit pas trop. On a la couleur marron. Soit un petit peu plus foncé que celui-là. C'est un peu, ça c'est plus orange et là plus marron clair, mais bon, ça se ressemble quand même pas mal. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Non, les flottes, elles arrivent, je pense. Il y en a une qui se déplace, hein. En route, voilà, vers la Côte d'Ivoire. Ok, bon, eh bien, je crois qu'on peut passer le tour. De commerce. Waouh, c'est quand même bien. Allez. Je sais plus s'il y avait quelque chose d'urgent. En Europe, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors, effectivement, je me demandais bien ce que j'allais faire de mon petit régiment de Groningue là. Parce qu'en Europe, c'est pas là qu'il va se couvrir de gloire, hein. Alors soit il prend le bateau et il va rejoindre les armées aux Indes. Ouais, allez, tiens, on va se marrer. Allez, hop. On s'amuse, on est là pour s'amuser, hein. Donc Gredin, il va prendre le bateau à Cadix. Voilà. Alors il s'appelle Bartholoméus Baert. Le colonel du régiment de Groningue. Voilà. Et puis c'est quand il va partir qu'il va se passer des conflits en Europe, quoi. Bon, enfin, je sais pas, on va voir. On va voir ça après. Alors, eh ben, on va passer le tour. Allez, on va à l'hiver. L'hiver 1732. Ben voilà, hein. On approche du 50e épisode. Ça c'est le 44e, si je ne me trompe pas. Et dans 6 jours, on fera le 50e. Avec la petite surprise d'une nouvelle saga parallèle. Les contes. Ce sera les contes. Les contes de Groningue. Ah! Alors, il s'agit de deux navires, un brick contre un aviso. Je vais pas la... Ah, je peux pas.
Est-ce qu'on fait... Non, on fait pas la bataille, tant pis. Et nous gagnons. Eh ben, tant mieux. Bravo, le Tonus Comstock, le Brick, que Vorstin van Brandenburg. Je sais qu'un Brick, c'est plus fort qu'un Aviso. Il y a plus de canons. Mais bon, on va pas le laisser tout seul faire le blocus. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Bon, les ennemis ont fait plein de raids, hein, on a vu. Plantation, avec une... Alors, semoir, non, on va pas faire semoir. Travailleur en grève. On va pas faire le semoir. Attends, parce que je sais plus qui c'est qui devait le faire. C'est Salamanque. Et qui va pas faire semoir, mais... élevage sélectif. Parce que le semoir, ça faisait quoi, ça? Ouais. Moins 15% de coût de construction des bâtiments de ferme. Bon, c'est pas mal, mais là, je crois que c'est mieux. Parce que ça fait progresser. Voilà, on fait des grands domaines, donc c'est mieux. Allez. On a recruté Amisor. Et puis, on a construit en Alsace-Lorraine, à Ceylan, en Carnassie. On a réparé en Carnassie. Non, 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 on a construit. Ah bah oui. Très bien, bon, bah voilà. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, alors je voulais faire le voyage de... pendant que j'y pense. À mon petit Groningue. Donc il va à Cadix. Il embarque. Bon, il embarque tout seul. Sur le navire amiral. Ok. De 74 canons. Quand même. Et puis ils partent. Ils vont partir vers les Indes. Hein. Où ça se passe? Voilà, c'est fait. Tiens, je suis surpris, la flotte est toujours... On n'est toujours pas arrivé là-bas hein. Bah non. Alors, ici... Bon, c'est un peu calmos. Hein. On verra après comment on va dépenser notre argent. On va... continuer notre attaque contre les pirates. Les marates. Oui, je disais pirates, mais c'était les marates, en fait. Ça rime... Alors, cette grande flotte, là. Je vais la mettre... alors, avec le futur amiral. Là. Je pense pas tout, parce qu'il faut que je garde un... Je vais garder un aviso. Pour pouvoir après me déplacer. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On va laisser la viso. Les autres navires vont partir. Ah bah non, il y a celui-là. Celui-là va arriver. Toute la flotte. Allez hop, toute la flotte. Attends. Ça c'est mon côté embêtant. Alors. Non, on va faire la viso. Il va aller là. Voilà. La flotte va descendre sur l'amiral, rejoindre le futur amiral, ici. Cette flotte, ce navire arrive. Débarque. Ah, il y a... Oh, je crois que c'est bon, non? Ça doit être bon. Voilà. Et l'armée... attaque... le fort. Alors là, il va y avoir une bataille. On est à 19 minutes. Et ben, le film suivant va commencer sur la bataille entre Hans Landseer et Erin Ratnakaram, le chef des terribles Marats. Nous verrons ça au prochain épisode.